de venir visiter votre paroisse et prier avec vous en ce 25e dimanche du temps ordinaire. Je sais que vous avez beaucoup attendu pour que ce programme devienne possible depuis mon arrivée à Kinshasa comme coordinateur dans ce premier temps et aujourd'hui comme archevêque métropolitain. Je salue très cordialement votre curé, M. l'abbé Raphaël Adivoué, son vicaire paroissial et l'ensemble du conseil paroissial, ainsi que vous tous, fidèles de cette paroisse Saint-Michel de Banda, ainsi que ceux qui sont venus d'ailleurs pour la circonstance. Je vous remercie de tout cœur pour l'accueil que vous m'avez réservé depuis l'entrée jusqu'ici avec beaucoup de joie et d'allégresse. Comme vous le savez vous-même, le pape François a fait à toute la nation congolaise ses grands honneurs de m'élever à la dignité cardinaliste. Je voudrais avec vous rendre grâce à Dieu pour cette réveil et me confier davantage à vos prières, comme je n'ai jamais cessé de le dire, de le demander, continuer à prier pour moi, pour qu'au milieu de vous, je sois un véritable prophète du Seigneur. J'estime que cette nomination, ce choix du Saint-Père porté sur mon humble personne peut être considéré comme l'intérêt supérieur, la grande considération que le pape apporte à notre vie, à notre pays, la République démocratique du Congo. Et surtout, l'intérêt que le pape porte à la qualité de la vie sociale de notre peuple, qui normalement, au regard de l'immensité des richesses de son pays, aurait dû vivre mieux, vivre heureux, vivre dans la sérénité. Cette question qui relève de la responsabilité sociale de chaque chrétien doit nous interpeller. La liturgie de ce jour, de ce 25e dimanche du temps ordinaire, et la parole de Dieu, en ces trois lectures que nous venons d'entendre, nous donne déjà des orientations majeures, trois que je retenue, afin de rendre notre vie sociale agréable. Le Congo, qui n'est pas l'immensité de ses richesses aurait pu devenir le paradis sur la terre, est aujourd'hui considéré comme l'enfer sur terre. Et toute la question, pourquoi? La réponse sera la première lecture et l'évangile qui nous le donne. La première lecture nous dit qu'il ne faut pas exploiter le prochain. Il ne faut pas exploiter le petit. Il ne faut pas maltraiter un petit, un malheureux, un homme, tout simplement parce qu'il est petit.
nous l'avons entendu dans la première lecture tirée du prophète Amos. Amos est considéré comme le prophète de la justice sociale de tous les prophètes. Amos est celui qui est considéré comme le prophète qui a développé une grosse voix en Israël pour parler au nom de son peuple. Pourtant, Amos, comme lui-même le dit, je n'étais pas prophète. Je ne suis pas quelqu'un qui est destiné de sa naissance à devenir prophète. Moi, je n'étais pas prophète au début. Je ne suis même pas fils d'un prophète. Nous savons que le métier en Israël, dans l'Ancien Testament, c'est transmettre de père en fils. Jésus est considéré comme charpentier parce que son père était charpentier. Amos dit, moi je ne suis pas prophète. Je ne suis même pas fils d'un prophète. Mais le Seigneur m'a appelé. Qu'est-ce qu'il était, Amos? Qu'est-ce qu'il était? Avant de devenir prophète, Amos était un bouvier. Un bouvier. Un bouvier signifie les gens qui gardent les bœufs, les bêtes, le bouvier. Quelqu'un qui a un bateau, il surveille, il garde les bêtes, le bouvier. Et Amos le dit dans sa prophétie, moi j'étais bouvier, moi j'étais paysan, agriculteur. Mon travail consistait à garder les bœufs, les animaux et à tailler les sycomores. Mais voilà qu'un jour le Seigneur m'a appelé et le Seigneur m'a dit, Amos, va et prophétise contre mon peuple Israël. Pourquoi? Parce que le péché s'est tellement multiplié en Israël. Ceux qui ont été placés par le Seigneur comme des dirigeants, comme des chefs, et même comme des prêtres et des prophètes, tous ont démissionné. Tous ont abandonné mon peuple. Tous se sont transformés en bourreaux pour mon peuple. Je te choisis toi, Amos, va et prophétise contre Israël, en faveur de mon peuple. Qu'est-ce qui s'est passé dans la société d'Israël? Le pauvre ne valait rien en Israël. Ceux qui avaient des biens, ceux qui étaient en situation de pouvoir, regardaient le petit et le pauvre comme leur marchepied. Ils n'avaient aucune valeur. Vous avez entendu leur réflexion dans la première lecture. Quand est-ce que le dimanche va passer pour que nous puissions divulguer nos produits? Le produit de mauvaise qualité, on vend ça aux pauvres. Et les pauvres à Kinshasa font leur achat dans le magasin de chinois où les choses ne valent rien. Ça, c'est pour le pauvre. Nous allons fausser la balance. Voilà le raisonnement. Pour que nous puissions en vendant gagner davantage. Ainsi, les pauvres deviendront de plus en plus pauvres et nous toujours. Les riches, dit Amos, ils se vautrent dans leur grand divan.
à l'État. Parce qu'ils sont puissants. Mais ils vont acheter des temps qui ne valent rien, des histoires qui ne valent rien, et on met ça dans d'autres conteneurs qu'on vient vendre aux pauvres. Parce qu'ils sont pauvres. La nourriture qu'on fait venir ici à Kinshasa, généralement, c'est de la nourriture de mauvaise qualité. Quelle personne ailleurs ne peut manger, on amène ça au Congo, au Rwanda, pour les valeurs. On a peur qu'on vend au centre. Les voitures qu'on vend sous les arbres ici à Kinshasa, ce sont des histoires d'occasion, des histoires déclassées ailleurs, et on amène ça au Congo, qui est devenu la nouvelle technologique du monde. Et c'était la même situation en Israël. Le pauvre ne vaut rien, il n'a pas de valeur. Nous avons entendu dans l'Évangile, la première lecture d'aujourd'hui, le pauvre n'a pas de valeur. La valeur d'un pauvre, c'est une paire de sandales. Le pauvre vaut une paire de sandales. Une paire de la corde. Vous connaissez la corde? Les babouches. Le prix des babouches, c'est quoi? Le traitement réservé aux pauvres a profondément révolté Dieu Yahvé. Yahvé. Yahvé Sabaoth, ce titre nous donne Dieu dans l'Ancien Testament. Yahvé Sabaoth. Et Sabaoth, c'est pour dire le Dieu chef d'armée d'Israël, le commandant en chef de l'armée. Et quand ce chef entre en colère, sa colère est irrésistible. Personne ne peut. Et c'est dans sa colère, face à ce mauvais traitement réservé aux petits, aux pauvres, Dieu appelle Amos et il lui dit, va, prophétise à ces gens qui sont là, qui passent leur temps à écouter la belle musique. Parce qu'ils ont l'argent, assis dans leur grand divan, ils boivent du bon vin, importé de l'Afrique du Sud, et ils se soucient de mon peuple. Y compris le prêtre. Y compris le prêtre. Naturellement, le prêtre de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que le Seigneur dit à tous ces gens? Faites attention. Vous, le puissant de ce monde, le puissant de cette terre, le traitement que vous réservez à mon peuple, vous payerez très cher. Nous connaissons la suite. Le prophète Amos a prophétisé à l'époque du roi Jéroboam II. Le roi d'Israël s'appelait Jéroboam II. Et Amos a prophétisé, non pas dans la rue, il a prophétisé dans les sanctuaires royaux, ce qui était les lieux où le roi venait prier. Et voilà, Amos qui s'élève et commence à fulminer contre la maison. Heureusement pour le petit Amos, le roi n'était pas là. Mais le prêtre royal, le prêtre qui travaillait dans le sanctuaire royal, s'appelait Amasias, un certain
et il disait, mais ce que Amos est en train de raconter, si ça arrive aux oreilles du roi, mais ils vont s'emparer, ils vont arrêter Amos. La vérité, c'est que le discours de la justice sociale n'a jamais plu au puissant de ses mains. Ils vont donner conseil à Massias. Va dire à Amos. Va-t'en d'ici. Rentre chez toi à Tekoa, ton village. Son village s'appelait Tekoa. Tekoa. Si vous ne lisez pas la Bible, allez lire. Il venait de Tekoa, un petit village perdu quelque part. Amasias lui dit, pour ta sécurité, sors vite d'ici et retourne chez toi à Tekoa. Va prophétiser là-bas et peut-être tu pourras de quoi manger, mais pas ici. Parce que ici, c'est le centre du pouvoir. On ne peut pas tenir ces discours-là vis-à-vis de l'autre. Mon bon ce qui fut avec Amos continue à l'être pour nous. Le discours de la vérité, le discours de la justice sociale est toujours un discours qui plaît aux petits et qui plaît aux puissants de ce monde, ceux-là qui maltraitent le peuple. Et ceux qui continuent à maltraiter le peuple ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. C'est ce qui continue à se faire jusqu'aujourd'hui. Et nous avons besoin de la grosse voix d'Amos pour rappeler aux puissants de ce monde que ce qui se fait aujourd'hui ne plaît pas au Seigneur. Des fois, vous le voyez, et tous ces gens qui maltraitent notre population, ce sont des gens parfois qui prient, soit de la l'église catholique, protestante, humaniste, beaucoup vont dans les sectes, parce que là-bas, on ne leur tient jamais le même discours d'Amos. Là-bas, on leur fait des couvertes, on s'incline devant eux, et il n'y a personne pour leur dire la radicalité de la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui étaient avec nous aujourd'hui pour les trouver dans le secte, surtout parmi les grands de ce monde. Les rares grands qui viennent encore chez nous, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Ça signifie que ce sont des gens qui ont compris la radicalité de l'Évangile et qui essayent de la mettre en pratique malgré les difficultés du moment. Nous avons, tirant les enseignements de ce qu'Amos nous dit aujourd'hui, nous, comme chrétiens, nous avons la lourde responsabilité de dénoncer toutes ces situations affreuses, toutes ces situations qui ridiculisent la personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons la responsabilité de conscientiser nos frères et sœurs, les auteurs de ce mauvais traitement réservé au peuple et de rassurer les victimes. Si tu es un bon chrétien catholique, ton parti politique, c'est quoi? C'est le peuple. Celui qui sert l'intérêt du peuple est ton allié. Celui qui maltraite le peuple deviendra un ennemi qu'il faut combattre avec les armes de la vérité, avec les armes de la justice et avec les armes de la foi. Il est inacceptable que de nos jours, surtout dans notre pays de Congo, l'être humain soit dépouillé de sa dignité.
dignité d'enfant de Dieu et réduit au rang d'objet d'exploitation. Cela s'oppose à notre foi catholique et nous pousse à nous tenir debout, à parler et à agir en imitation du prophète Amos, en imitation du Christ. Deuxième enseignement que nous tenons des écrits sacrés d'aujourd'hui, c'est la nécessité d'améliorer nos relations interpersonnelles. Utiliser nos compétences, nos qualités, nos talents à améliorer nos relations. Parce qu'en améliorant nos relations, nous serons récompensés demain au paradis. C'est l'enseignement majeur que nous tirons de l'évangile. Vous avez entendu dans l'évangile l'histoire de ce mauvais gérant. Il occupait une position d'autorité, un grand monsieur, mais il a tellement mal géré la responsabilité qu'on lui a confiée. Il savait qu'ici, quelques jours, le patron va me rendre, parce que je suis un mauvais. Il était conscient, il a mal géré. Mais avant de partir, qu'est-ce qu'il fait? Il met son intelligence en action. Ce qu'il aurait pu faire avant. Il réfléchit lui-même en se disant, qu'est-ce que je vais faire? Demain, je serai chômeur. Couper le champ, ça n'est pas la force. Mendier, qu'est-ce qui arrivera? Mendier, j'aurais honte. Parce que mendier là, c'est pas facile. Hein? Faut saigner. Sauf lui. Il se dit, je sais ce que je veux faire. Je vais me constituer de nouveaux amis. Et tous les créanciers de son patron. Combien toi tu devais à mon patron? 100 barils d'huile de palme. À 6 mois, écrit 5 ans au lieu de 100. Et toi, combien de sacs de foufou tu dois à mon patron? Je dois 50 sacs de foufou. Assis-toi, écris 25. Ainsi, pourquoi il fait ça? Et nous savons que dans l'évangile, Jésus l'a plutôt admiré. Il a admiré pourquoi? C'est à cause de sa capacité à se faire des amis pour assurer sa vie de demain. Et l'enseignement, c'est que cet homme, quand il était aux affaires, il aurait dû utiliser ses talents qu'il a utilisé au dernier moment pour se faire des amis. S'il avait bien géré, il aurait le monde entier comme un ami. Mais il a fait comme ça se faisait en Israël, il a profité de sa situation d'autorité pour s'accaparer la caisse. Comme on voit chez nous au Congo, quand tu vois 1000 francs, tu finis à ma carte. Tu finis à ma carte. Parce qu'il y a volé 1000 francs. Mais quand tu vois 10 millions de dollars, je vous prie, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Malheureusement.
L'enseignement ici, le Seigneur nous dit, il faut toujours être bon, être juste dans les affaires qu'on demande. Même si c'est une petite affaire, il faut savoir être juste, être honnête dans l'exécution de ta tâche. C'est de cette manière que tu vas te faire énormément d'amis, mais les amis non pas dans la confrérie de voleurs et de bandits, mais dans la confrérie de ceux qui reconnaissent le nom de Jésus. Comme tu seras avec tous ces amis qui t'apprécient parce que tu travailles bien, tu vas te retrouver avec eux au festin, au banquet dans le royaume de Dieu. Troisième enseignement, nous savons tout ce qui se passe dans notre pays. Le comportement de nos dirigeants qui excellent dans la maltraitance du petit et du pauvre, devenu leur marchepied. La deuxième lecture nous dit, priez pour eux. Ne priez pas seulement pour les gens qui vous sont cette, pour les gens qui sont proches de vous, ou pour les gens que vous admirez. Priez pour tout le monde et surtout pour vos dirigeants. Il y en a qui ne savent pas ce qu'ils font. Une fois qu'ils sont aux affaires, ils croient que gouverner, diriger le peuple de Dieu consiste à s'accaparer la caisse pour lui et pour sa famille. Il y en a qui pensent comme ça. Et ils croient que faisant comme ça, ils font bien. À peine arrivé au pouvoir, et nous avons tous les dossiers, vous apprenez, il s'est déjà acheté une villa en Europe, une villa en Afrique du Sud, une villa en Matapa, à Ibéré. Mais il coûte l'argent pour vous. Hier, nous étions tous de pauvres avec eux. Nous n'avions pas la possibilité de nous taper des villas en Europe, en Afrique. Et ils s'estiment heureux, ils croient qu'ils font bien, ils croient qu'ils seront heureux en faisant ainsi. La vérité, c'est que ceux-là sont en train de préserver la tombe de leur propre mort. C'est pourquoi la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul à Timothée nous dit, la première lettre nous dit, priez pour tout le monde et priez surtout pour vos dieux. Ils ont besoin de vos prières. Alors que la première lecture tirée du prophète Amos mettait l'accent sur la fonction prophétique du chrétien, à savoir dénoncer les pratiques injustes de la part de puissants de ce monde. L'Évangile insiste sur la fonction sacerdotale de tout baptisé. Et aussi, la deuxième lecture, nous devons intercéder en faveur de tous. Intercéder surtout en faveur de puissants, des dirigeants, et même en faveur de ceux que nous considérons comme nos ennemis. Priez pour eux. Priez pour que le Seigneur puisse toucher leur cœur. Un vrai chef, un vrai dirigeant, c'est comme un père de famille, c'est comme une mère de famille. Il ne sera jamais en paix. Son cœur ne trouvera jamais la paix tant que ses enfants ne mangent pas. Tant que ses enfants n'ont pas de quoi couvrir leur corps.
tant que les enfants n'ont pas de quoi payer le médicament d'hôpital quand ils tombent malades. Ils souffrent à chaque fois. Le sens de notre prière, c'est que le Seigneur puisse toucher leur cœur. Au lieu de se comporter comme des mercenaires vis-à-vis du peuple, qu'ils se comportent en bon père de famille. Aux
et Mokozambe à Soukalouki. Mokozi Zambe à Naïndaï, Nakongo, Yakoukou, la vie, Mokopé à Louki, Nakoko, Salamabé, Mabango, Masson, Mokolo, Mokolo. Pas si ça va être Mokolo, Nayako, Mokola, Naïzambe, Nakoko, Salamabé, Mokolo. Et on va prendre souka, donc on s'en a fait, moto na moto, à vous bien la main, pour les arriver, pour s'en faire les femmes. Mais n'a pas encore la main. À vos gars, à vous s'en a fait. Pour qu'on le battait, les gars, il y a sa ligne, on aime beaucoup aussi. N'a pas encore la main. Moyen, ça va, ça va, ça va.
Kasi soko asa ya kuti boso tangwa zaki na boko
et pour le climat, pour y aller. Parce qu'il y a comme ici, par le bas, par le bas, par le bas, la différence de la bateau, tout ça. Ma voilà. D'abord, les gens qui sont appuyés, ça, ils sont pour la pression, au moins, ils tiennent à proposer ça, là, et à vous, nous, pour la salle. Et ça, au cas de l'église, et ça, au cas de l'église, et ça, au cas de l'église, Et c'est vrai,